Et yop tout le monde, c'est Sherkan, comment ça va? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Fortnite Battle Royale. Aujourd'hui, je vais pas vous faire la liste de tous les défis parce que tous les défis sont très simples. J'ai pas besoin de vous faire une vidéo entière. Par contre, je vais juste vous faire une petite vidéo sur le défi fouiller un coffre, utiliser un distributeur automatique et profiter d'un feu de camp en une seule partie. J'espère que ça va vous plaire, que ça va vous aider. C'est parti! Alors le premier emplacement les gars, c'est très simple, je vais vous en donner 4. Je vais vous donner 4 endroits pour faire ce défi, vous pouvez le faire n'importe où vous voulez, c'est vraiment très facile aussi. Le premier emplacement que moi je peux vous conseiller, c'est Snobby Shore. Vous allez tout à gauche de la map, vous voyez Snobby Shore, vous avez pratiquement tout le temps un distributeur. Là par contre, oui, je vais vous préciser, il n'y a pas toujours les distributeurs dans toutes les parties. C'est pour ça que je vais vous montrer plusieurs endroits. Moi j'ai pris le distributeur du coup, comme vous avez vu, à Snobby Shore. Je suis allé dans la maison, vous n'êtes pas obligé d'aller dans la maison exprès pour prendre un coffre. Vous voyez, il y en a un sur la maison terrain de basket, enfin sur le terrain de basket, vous avez un coffre plus le feu de camp. Donc ça c'est le défi réalisable vraiment très facilement à cet endroit là en tout cas. Donc essayez de le faire en foire d'empoigne, c'est un conseil que je peux vous donner. Regardez bien où j'ai pris le distributeur, le coffre et le feu de camp. Je pense qu'il va falloir quand même que vous vous blessiez un petit peu, donc faites une petite rampe de 4 de hauteur pour vous infliger un peu de dégâts et ensuite utiliser le feu de camp pour vous remettre de la vie, que ça vous valide vraiment tranquillement le truc. Le deuxième emplacement que je peux vous proposer les gars, c'est au niveau de Sunny Step, donc tout en haut à droite de la map. Là pareil, vous avez un coffre, vous avez le feu de camp et le distributeur qui se trouve un peu plus haut au niveau du volcan. Le coffre, ça c'est très simple, le feu de camp il se trouve en plein milieu de Sunny Step, enfin à peu près en plein milieu, vous voyez où je viens de le marquer. Vous avez juste après à remonter comme moi dans la vidéo et vous aurez un distributeur ici. Je le répète encore une fois, c'est pas forcément sûr que le distributeur est spawn dans votre partie. S'il n'a pas spawn, essayez d'aller à un autre endroit ou alors relancer une autre partie jusqu'à ce que le distributeur, que vous ayez tout vraiment dans la même partie, que vous puissiez le faire tranquillement. Troisième emplacement, Lonely Lodge. Là, Lonely Lodge, c'est encore plus simple, franchement, que Snobby Shore. Vous allez juste devoir venir sur la grosse maison au milieu de Lonely Lodge. Vous allez péter le toit, vous allez avoir un coffre ici. Vous avez juste à descendre juste en dessous et vous aurez un coffre. Pas deux, mais juste un. Là, il y en a deux parce que je suis en terrain de jeu. Vous en aurez juste un à cet endroit-là. Et ensuite, vous aurez juste à aller au nord de Lonely et vous aurez le feu de camp juste à côté de la maison. Là, c'est encore plus, vraiment beaucoup plus rapide qu'à Snobby, mais c'est encore un lieu que je vous propose. Vous avez beaucoup d'endroits, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi dans la vidéo. Moi, c'est les conseils que je vous donne. Si vous êtes là, c'est que vous voulez savoir. Donc, c'est les 4 endroits, moi, que je peux vous proposer. Je ne vais pas tous vous les montrer en vidéo parce que sinon, ça va prendre 15 ans. Et le dernier endroit que je peux vous proposer, c'est Pleasant Park. Au niveau tout en haut à droite, si je dis plus de bêtises, je me rappelle plus, mais tout en haut, enfin, tout en haut quand on regarde la map, vous avez un distributeur. Pas 3, pareil, je suis toujours en terrain de jeu. Vous avez un distributeur. Vous allez dans l'autre, dans la maison juste à côté. Vous aurez forcément un coffre. Vous prenez le coffre et ensuite vous partez direction le manoir. Ou l'inverse, hein, vous faites le manoir et ensuite Pleasant Park. Et au niveau du manoir, vous aurez un feu de camp qui est juste en bas. Donc là, comme on voit dans la vidéo. Et voilà, votre défi sera réalisé. C'est vraiment très facile. Le reste des défis, franchement, c'est vraiment simple. C'est aller d'un endroit à un autre. Donc j'ai pas besoin de vous faire de guide, vraiment. De vous faire perdre votre temps juste pour que vous arriviez à cet endroit-là. Parce que je pense que les gens, ils vont chercher juste ce défi-là sur YouTube. J'ai pas besoin de vous embêter avec tous les défis. Voilà, donc je pense qu'au stade, en tout cas, il y a un distributeur plus les coffres. Le feu de camp, je suis vraiment pas sûr de moi. En tout cas, à Happy Hamlet, c'est sûr, il y a les 3. Fatal Field, il y a les 3 aussi. Paradise Palm, c'est sûr, il y a les 3 également. Voilà, vous avez vraiment beaucoup, beaucoup d'endroits pour réaliser ça. Moi, j'ai essayé de trouver les endroits les plus faciles et les plus rapides à faire pour vous aider un maximum dans votre défi. En tout cas, si la vidéo vous a aidé, elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à partager un max avec vos potes pour qu'ils puissent réaliser le défi très facilement. Abonnez-vous, c'est gratuit, mettez la petite cloche, le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir, c'est la récompense. Moi, je vous souhaite une bonne journée, prenez soin de vous, c'était Sherkan, et ciao tout le monde.